Salut! À l'heure de la 4G et du Bluetooth, c'est vrai que les ondes rythment notre quotidien. Ouais, mais il paraît qu'on peut s'en prémunir facilement. Effectivement, on a vu passer sur Internet un article qui parle des accessoires anti-ondes. Regardez, c'est impressionnant. Les ondes vous font peur et vous ne savez plus quoi essayer pour les arrêter. Il existe une solution, le slip anti-ondes. Ce slip résiste à toutes les ondes. C'est très simple. Grâce à son renfort en coton, aucune onde ne pourra vous atteindre. Regardez ce test. Nous plaçons deux pommes dans un micro-ondes. L'une d'entre elles est recouverte par le slip anti-ondes. Laissez passer 2 minutes, et tandis que la première pomme s'est littéralement transformée en compote, celle protégée par le slip n'a pas changé. Bravo au slip anti-ondes. Le slip anti-ondes, bien plus qu'un slip. J'espère qu'ils le font en slip de bain, hein, ça m'intéresse. On enchaîne avec cette polémique dont tout le monde a parlé aujourd'hui, celle de Gérard Depardieu et de son fameux passeport. Ah mais je comprends aussi moi le GG. Si j'étais gros et riche, je changerais de pays. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens chercher mes papiers d'identité. Ah oui, vous attendez. Voilà déjà, le passeport. Alors... Excusez-moi, vous pensez que ce serait possible d'être surclassé? Bien sûr. Voilà. Bah merci. De rien. Pour faire face à la crise, mieux vaut choisir une valeur sûre. Devenez belge. Ah, tu vois, pour une fois, c'est la classe d'être belge. Ouais, eh bien qu'il profite parce que les modes, ça change vite. Allez, à bientôt. Salut, salut.